Sophie, experte en assurance habitation, part en déplacement chez plusieurs clients pour évaluer leurs biens et leur proposer des solutions sur mesure. Il existe un contexte où nous, professionnels du secteur financier, sommes particulièrement exposés au risque de fuite de données lors de nos déplacements. Transportant souvent avec nous des informations sensibles concernant les polices d'assurance et les données personnelles des clients, ces données sont moins protégées par les infrastructures de sécurité de nos entreprises. Nous devons donc redoubler de vigilance. Voici quelques recommandations clés à suivre. Dans les lieux publics, comme les cafés, gares ou aéroports, il est crucial de s'assurer que les informations affichées sur nos écrans restent privées. Si vous en êtes équipé, utilisez des filtres de confidentialité pour prévenir les fuites d'informations via des regards indiscrets. Si vous n'en avez pas, mettez-vous à l'abri des regards et baissez la luminosité de votre écran ou bien faites-en la demande auprès de votre service informatique. De nombreux lieux publics proposent des réseaux Wi-Fi en accès libre. N'oubliez pas que ces réseaux ne sont pas aussi sûrs que celui de votre structure. Les échanges et données peuvent être interceptés par quelqu'un de malveillant. Privilégiez les données mobiles 3G, 4G, 5G qui sont plus sécurisées que les réseaux Wi-Fi publics. Lors des déplacements, votre matériel informatique a beaucoup plus de risques d'être perdu ou volé. Quand vous rendez visite à un client ou à un partenaire, vous devez faire preuve d'une vigilance accrue. Gardez toujours vos appareils avec vous et ne les laissez jamais sans surveillance. Si vous devez laisser votre équipement dans un lieu, assurez-vous qu'il soit sécurisé physiquement, par exemple dans un coffre-fort ou un autre espace verrouillé. Signalez immédiatement toute disparition d'équipement à votre hiérarchie et au support informatique. Une réaction rapide permet de minimiser les impacts et de sécuriser les données clientèle potentiellement exposées. Lorsque vous êtes en déplacement pour plusieurs rendez-vous dans la même journée, il est fréquent que la batterie de votre ordinateur portable ou de votre téléphone commence à faiblir. Lors de ces moments, il est peut-être tentant de recharger rapidement vos appareils en utilisant des ports USB publics disponibles dans les aéroports, cafés ou hôtels. Cependant, ces ports peuvent présenter des risques de sécurité car ils permettent non seulement la recharge, mais aussi la transmission de données. Pour sécuriser vos appareils lors de la recharge, privilégiez toujours l'utilisation de prises secteur. Contrairement aux ports USB, les prises secteur ne permettent aucun transfert de données ou de logiciels malveillants. En adoptant des pratiques rigoureuses pour sécuriser les données lors de nos déplacements, nous renforçons la défense contre les intrusions et les fuites potentielles. Ensemble, faisons également profiter les données de nos clients d'une couverture tout risque.